Bonjour, donc je m'appelle Guillaume Bichet, je suis chocolatier pâtissier en Suisse. Je suis installé depuis à peu près, bientôt 12 ans. On compte maintenant 5 boutiques et puis 2 restaurants. Donc quand j'ai eu mon nouveau laboratoire, je voulais développer forcément ma gamme. Pour moi, il fallait en fait la watercut. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dedans. Au niveau de l'optimisation du travail, au niveau de la finition des produits, toutes ces choses-là, en fait, j'avais aucune notion à l'époque de ce qu'on pouvait développer. Donc le jour de la livraison de la machine, donc l'équipe est arrivée nous déposer cette machine. Tout s'est super bien déroulé. C'était hyper efficace. Voilà, donc ils sont vraiment arrivés, ils ont posé la machine, les branchements, tout ça. Et puis après, il s'est suivi d'une journée de formation pour l'équipe. C'est assez intuitif. Toute mon équipe était hyper enthousiaste en fait de recevoir cette machine, forcément puisque avec tous le potentiel en fait de développement qu'on peut apporter, tant au niveau création qu'optimisation au niveau du travail, ils étaient comme des fous et ils sont tous les jours heureux de travailler dessus. Voilà. Donc j'ai intégré complètement la machine dans la production globale, vraiment tout tourne un peu autour d'elle. Sans pousser le côté trop rectangulaire ou choses comme ça, tout est un peu travaillé avec finesse pour apporter cette touche en fait que sans cette machine on n'arriverait pas à avoir. Donc, j'en ai acheté une deuxième pour la partie chocolaterie parce qu'en fait on l'avait intégré à la pâtisserie et à la chocolaterie. On a doublé nos productions avec le temps, donc ça commençait à coincer. À savoir que la machine elle tourne à peu près 5-6 heures par jour, et quand il y a deux équipes qui sont dessus, c'est toujours compliqué. Donc là j'en ai profité, j'ai créé un nouveau laboratoire de chocolaterie de 800 mètres carrés. Je me suis aperçu qu'on pouvait faire énormément de choses en fait avec cette machine. Au début, on a démarré par la pâtisserie. Ensuite, on a attaqué la chocolaterie, donc tout ce qui est détaillage, dégainage, détaillage des pralinés, ce qui nous permet en fait d'avoir des couches qui sont vraiment indécoupables en fait avec une guitare traditionnelle. Donc, on arrive à avoir des textures particulières. Et puis maintenant, on teste en fait sur tout ce qui est un peu plus boulangerie. Donc, on a commencé par le fêtage, tout ce qui est détaillage de fond de galette. Toutes ces choses-là, et puis on va bientôt attaquer les croissants. Parce qu'on crée des moules silicone ou qu'on va faire des maquettes, des choses comme ça en carton ou tout ça, on sert aussi de la machine. On peut en fait intégrer nos décors, les détailler, faire une base et puis après la mouler soit en silicone ou on crée nos propres chapeaux. Donc au niveau du software, en fait, la machine est connectée en fait à distance, donc l'équipe Watercut peut se connecter à tout moment dessus, voir ce qui se passe sur la machine, régler les problèmes. C'est impressionnant parce que tout est réglé très très rapidement. Alors en précision et finesse de travail, voilà un peu ce que ça m'a apporté. C'est vraiment impressionnant. Impressionnant parce que demain je devrais m'amuser à faire ce genre de produit, ça serait tout simplement impossible. Une netteté pareille et surtout sur des gros volumes. Alors au niveau de la production, ça a été vraiment génial parce que simplement avec la même équipe, on a pu augmenter en fait nos volumes. On a suivi en fait l'évolution de l'entreprise. J'ai pas forcément engagé des personnes supplémentaires. Donc c'est là en fait on voit
de bénéfices de cette machine. Donc en fait, on a rationalisé du coup forcément la production, toutes les choses un peu plus répétitives, hein, c'est maintenant la machine qui s'en occupe. Et en fait, ça permet en fait du coup à mes pâtissiers, à mes chocolatiers en fait de vraiment se focaliser en fait sur du travail un peu plus fin, même au niveau de la réflexion, au niveau des évolutions des produits. On a beaucoup plus de temps en fait à accorder à ce genre de choses qui est hyper important dans nos métiers. Ouais, alors si on m'enlève la machine demain, c'est un peu compliqué. C'est sûr que maintenant elle est vraiment intégrée dans toute la partie production, donc je vois pas comment je m'en passerai.